Salut. Connectez-vous. Bonjour, bonjour, bonjour. Connectez-vous. Nous sommes ici dans notre surface de réparation. La surface de réparation où tout va se passer. Le Zénith, Paris, la salle mythique. C'est ici que nous allons célébrer la résistance camerounaise. C'est ici que la meute va prendre d'assaut la ville de Paris. Ça se passera ici le 18 septembre. Dans quelques semaines, nous allons venir célébrer le général Valsero et tous les autres artistes camerounais. Le libérateur Longuet Longuet sera bien sûr dans cette salle mythique. Voici l'apothéose, la salle de l'apothéose, la salle de la gloire glorieuse. C'est ici que ça va se passer et nulle part ailleurs. Donc je suis à Paris, je suis venue sur les lieux moi-même inspecter. Aujourd'hui le Zénith est fermé, il n'y a pas de spectacle aujourd'hui, il n'y a pas d'artistes qui se produisent aujourd'hui. Mais comme vous pouvez le remarquer, c'est un grand espace culturel avec des surfaces jardinières tout autour où vous pouvez amener vos enfants. La salle elle-même, elle est énorme, elle est géante. Et nous, les combattants de la résistance, nous, la meute, nous allons prendre d'assaut cette salle le 18 septembre. Paris sera prise. Paris va tomber entre les mains de la résistance. Et nous savons que chaque fois que nous avons appelé les combattants, les résistants à sortir, ils sont sortis par milliers. Le 3 juillet dernier était encore la confirmation de ce que les combattants de la diaspora sont prêts à se mettre tous ensemble pour porter la voix de notre peuple. Admirez l'architecture de cette salle mythique. Regardez et imaginez-vous à l'intérieur. C'est ici que ça va se passer. Ce sera un spectacle magique, plein de couleurs, plein de sons, plein d'effets spéciaux. Et nous vous... Charlotte, Sylvie Vartan, tu confirmes ta présence? Super. Nous vous confirmons que les organisateurs sont en train de mettre les petits plats dans les grands. Afin de nous offrir un spectacle historique, un spectacle digne de ce nom. Donc ça va se passer ici, au Zénith. Nous aurons bien sûr le général Valsero en compagnie du libérateur Longuet Longuet, Karès Fosso, Charlotte Dipanda. Nous aurons Richard Bonnat. Ce sera vraiment l'apothéose, la célébration de la culture, de la musique camerounaise. Mais aussi et surtout, ce sera le plus grand meeting politique qui ait jamais eu en diaspora après celui du 2 février 2020. Nous allons organiser dans cette salle le plus grand meeting politique sous des airs de fête qu'il y ait jamais eu. Ce sera historique. Si vous n'êtes pas là, vous allez rater un pan de l'histoire de notre pays. Soyez ici le 18 septembre devant cette porte pour occuper votre place. Les billets continuent de se vendre sereinement à 35 euros le billet normal et 90 euros le billet VIP. Et souvenez-vous que nous sommes ici pour une raison. Nous sommes ici parce que nous voulons célébrer la résistance camerounaise. Nous voulons porter notre papa au panthéon de la musique camerounaise, mais aussi au panthéon de la résistance. Pourquoi? Parce que s'il y a une chose dont le régime satrapique de M. Biya a peur, s'il y a une seule chose qui fait encore peur au régime génocidaire de M. Biya, c'est le rassemblement des supporters de M. Kamto. C'est M. Kamto qui fait encore peur à ceux qui nous font peur. Alors,
C'est pour ça qu'ils interdisent les rassemblements au Cameroun. C'est pour ça qu'ils interdisent les meetings au Cameroun. C'est pour ça qu'ils arrêtent tous ceux qui ont même seulement l'intention de marcher. Alors, pour leur démontrer que nous sommes la meute et que nous allons secouer le monde politico-culturel en diaspora et dans le monde entier, c'est ici que ça va se faire. Tous les combattants qui veulent exprimer leur courroux, leur désarroi, mais surtout leur support au président élu, son Excellence Maurice Kamto, doivent se retrouver dans cette salle le 18 septembre sous la houlette de notre général, le général Valsero. Tous les combattants partiront des États-Unis, ils partiront du Canada, ils partiront des Antilles, ils partiront de l'Amérique latine, ils partiront même de l'Afrique, ils partiront de tous les pays d'Europe pour se retrouver dans cette salle mythique. 8000 places nous allons remplir. Imaginez-vous que le 18 mai à Paris 2019, nous étions à peu près 15 000 Camerounais dans les rues de Paris. Imaginez-vous que le 3 juillet à Paris, nous étions à peu près 6 000 Camerounais. Alors, si nous pouvons paralyser Paris en un clin d'œil, nous prenons d'assaut cette salle et nous en faisons le plus grand meeting de la Renaissance qu'il y aura jamais et qui ait jamais eu. Le plus grand meeting en salle que nous pouvons organiser et nous allons donc célébrer la résistance ici. Nous allons faire une démonstration de force. Nous allons montrer à Monsieur Biya que nous sommes puissants. Nous allons montrer à Monsieur Biya que le Cameroun à l'étranger s'est retrouvé dans une salle pour célébrer le président élu, son Excellence Maurice Kamto. Nous allons lui montrer que tous les Camerounais de la diaspora, du nord au sud, de l'est à l'ouest, d'Amérique, l'Afrique, l'Asie, l'Europe se rassemble dans une seule salle pour scander à haute voix et à l'unisson le nom d'une seule personne, son Excellence le président élu, le professeur Maurice Kamto. C'est ici que ça va se passer et nulle part ailleurs. Alors, combattants, si cette résistance vous tient à cœur, vous devez être dans cette salle. Vous devez être beau, vous devez être belle. Le métro le plus proche d'ici, c'est le métro Pantin. Les mesures sanitaires commencent à être relâchées. J'ai pu voyager de Londres pour Paris juste en montrant mon pass sanitaire et sans aucun problème, je suis à Paris. Donc, tout le monde sera en mesure d'être ici le 18 septembre pour célébrer la résistance. Nous serons en grand nombre. Réservez déjà vos hôtels, réservez vos voyages, réservez tout ce que vous avez, en plus, bien sûr, des billets d'entrer dans la salle. Rassurez-vous que vous avez réservé vos hôtels parce que tous les hôtels de Paris seront pris. Tous les hôtels de Paris seront pris ce jour-là parce que le Cameroun va se déplacer vers Paris le 18 septembre. C'est ici que ça va se passer et nulle part ailleurs. Donc vous pouvez bien le voir, je suis au Zénith, la salle mythique qui va accueillir la célébration la plus importante de la résistance camerounaise du président élu, son Excellence le professeur Maurice Kamto. Et donc, puisque c'est le seul nom qui fait peur à Monsieur Biya, c'est la seule personne qui fait peur à la satrapie, c'est le seul qui continue de résister face à la dictature reptilienne et génocidaire de Monsieur Biya, il est important que nous soyons tous ici pour faire une démonstration de force, pour montrer à Monsieur Biya que la diaspora lui a définitivement tourné le dos. Il faut que nous soyons tous ici pour dire à Monsieur Biya qu'il est temps qu'il disparaisse et qu'il nous laisse tranquille. C'est ici que ça va se passer, au Zénith à Paris, le 18 septembre, avec tous les artistes. Mais imaginez Ninja sur cette scène. Imaginez notre ninja national sur cette scène. Imaginez Caresse Fosso sur cette scène. Imaginez le libérateur Longuet sur cette scène. Nous allons faire sauter le toit de ce bâtiment avec les cris et les you-you au nom de nos artistes, au nom de notre président élu. Nous allons faire sauter cette toiture. Nous allons faire un bruit pas possible dans cette salle pour célébrer la résistance camerounaise. Venez avec vos drapeaux. Paris, la Villette, le Zénith vibrera aux couleurs du vert, rouge, jaune. Que ces salles soient remplies de drapeaux camerounais vibrants au son des musiques
entraînante de nos artistes préférés de la résistance. Surtout, surtout, que ce soit un événement convivial, jovial. Venez avec vos familles, venez avec vos enfants, venez avec vos amis et célébrons, fêtons tous ensemble dans cette salle mythique, la résistance camerounaise. C'est de ça qu'il est question. Je suis venue toucher la réalité du doigt. Je suis venue ici m'imprégner de l'atmosphère qui prévaut autour de cette salle. Et comme vous pouvez l'entendre à travers les tambours qui résonnent aux environs, c'est une atmosphère festive, c'est une atmosphère joyeuse. Et nous allons rajouter de notre touche à cette atmosphère le 18 septembre à Paris. Nous allons rajouter de la touche de la résistance. How many people Paul Biya Gokhil va faire sauter le toit de cette salle de 18 septembre? Allo Fokou va faire sauter le toit de cette salle le 18 septembre. Et bien sûr, papa, tu es fatigué, pardon, va te reposer. Nous allons crier ces chansons que nous adorons, ces chansons que nous chantons lorsque nous sommes dans le terrain de bataille pour tchouquer le fémur. Nous allons les entendre sous un autre angle. Nous allons les entendre vibrer dans nos corps, dans nos cœurs, avec tous les instruments de musique préparés à cet effet. Avec surtout tous les effets visuels mais aussi sonores préparés à cet effet. Si vous n'êtes pas là, vous aurez raté l'occasion de votre vie. Vous aurez raté une histoire à raconter pour le reste de votre vie. C'est ici que ça va se passer. Et j'y serai. Ma place est déjà réservée. Ma place est réservée. Les Bobby Tanap seront là. Elles ont réservé tout un carré. Les Bobby Tanap ont réservé un carré. Elles seront bel et bien là. Et nous allons, bien sûr, célébrer notre président élu, nous allons célébrer notre général Valsero qui a sacrifié de sa vie pour la libération du peuple camerounais. Nous allons lui dire merci. Nous allons célébrer notre ninja qui aussi a beaucoup donné dans cette résistance, qui a sacrifié sur le plan personnel, sur le plan professionnel pour se battre et porter sa voix, apporter de sa voix dans la résistance et la lutte contre la dictature féroce de Monsieur Biya. C'est ici que ça va se passer et nulle part ailleurs. Alors, combattants Amazon, Camerounais du monde entier, transformons cette salle en un Cameroun en miniature. Transformons cette salle en un 237 en miniature. Nous voulons voir les gens danser au rythme de Papa Richard Bona. Nous allons voir les Amazones sauter au rythme du général Valsero. Et quand Longuet Longuet va monter sur scène, ce sera l'apothéose, ce sera la magie, ce sera la gloire glorieuse, ce sera la finale, ce sera le Mami Pi, ce sera le Niamsele, ce sera le Bakbajo, ce sera quelque chose à vivre. Ben oui, les musiques entraînantes de nos artistes révolutionnaires vont nous amener justement à dire au monde entier que le Cameroun est prêt. Le Cameroun veut le changement. Les Camerounais parlent en unisson pour la fin de la guerre au Cameroun. Les Camerounais parlent en unisson pour l'avènement de la démocratie et d'un état de droit au Cameroun. Et ce sera dans cette salle. Ça va se faire de la plus belle des façons. Nous allons faire un meeting géant en salle, mais surtout en musique. Donc venez, venez nombreux, venez célébrer avec nous la résistance camerounaise et nous allons passer un moment magnifique. Rassurez-vous, cet événement se prépare depuis de longs mois, comme vous le savez, et sur le plan médiatique, le général Valsero et toute son équipe sont déjà au point. Donc nous aurons dans cette salle tous les médias internationaux. D'ailleurs, la semaine, le jour précédent, il y aura Werrason et ensuite le général Valsero le lendemain. Donc le Zénith sera pris d'assaut. Le Zénith sera pris d'assaut aux couleurs du Congo la veille et aux couleurs du Cameroun le jour suivant. Donc, je suis venu ici justement pour vous montrer l'atmosphère qui prévaut, l'ambiance qui règne autour de cette salle et pour vous dire que tout ce carré, regardez bien, c'est énorme. C'est énorme, c'est l'une des plus grandes salles de spectacle du monde. C'est énorme, je ne peux même pas oser faire le tour. Mais rassurez-vous, le 18 septembre, tout ce terrain sera envahi de commandos camerounais. Tout ce terrain sera envahi de lions et de lionnes indomptables de la résistance qui viendront ici célébrer
le président élu, son excellence le professeur Maurice Kamto. Si on nous empêche de célébrer cet homme au Cameroun, alors nous allons le célébrer en Europe. Voici notre nouvelle surface de réparation. C'est ici qu'il y aura match. Ndamba Gobi Foya, c'est ici qu'il y aura match. Voilà la surface de réparation. Donc, combattants, c'est ici que ça va se passer. Venons tous à cet endroit le 18 septembre et explosons cette toiture au son des chansons révolutionnaires camerounaises. Amen. Le répertoire est tellement vaste et énorme que je ne peux même pas le citer, je n'ose même pas. Mais rassurez-vous, nos chansons mythiques, nos chansons de combat, nos chants de ralliement seront chantés à plein volume dans cette salle avec tous les éléments de technologie possibles. Tous ces écrans seront illuminés aux images du général Valsero. Tous ces écrans seront illuminés aux images des artistes engagés, révolutionnaires, les artistes qui se sont mis du côté du peuple. C'est de ça qu'il est question. Et tous les artistes qui se mettent du côté du peuple seront célébrés par le peuple. Nous allons les porter au panthéon de leur art, dans les salles les plus mythiques au monde. Le Zénith, ce n'est bien sûr que le début, mais nous sommes sûrs que le général Valsero et bien d'autres iront dans d'autres salles encore plus glorieuses et nous allons les accompagner chaque fois. Je pense ici à tous les artistes engagés, tous les artistes combattants dont je ne peux citer le nom et je leur tire un chapeau, un coup de chapeau pour le travail qu'ils abattent dans l'avènement d'un Cameroun nouveau en mettant leur art à la disposition de la résistance. Je passe un coup de chapeau et un salut spécial à tous les Camerounais de la diaspora qui se sont toujours levés comme une seule personne lorsque le besoin s'est fait ressentir. Je passe un salut spécial et je tire un coup de chapeau à nous tous qui n'avons jamais failli, qui n'avons jamais laissé tomber le président élu, son excellence Maurice Kamto. Et il est temps de justement continuer de porter sa voix parce que nous savons que la fin est proche. Nous savons que la photo est incapable de gouverner le Cameroun et nous allons dire au monde entier dans cette salle que nous voulons une seule personne. Qui voulons-nous? Qui est-ce que nous voulons? Le peuple, dites-nous qui nous voulons. Envers qui? Le peuple. Envers qui? Envers Kamto. Et on va célébrer Kamto dans cette salle le 18 septembre 2021 sous la houlette du général Valsero, sous la houlette de notre ninja national Richard Bona, sous la houlette de Longuet Longuet le libérateur, sous la houlette de Karès Fosso, sous la houlette de notre chacha national Charlotte Dipanda. Ils seront tous là et on va les voir, on va les toucher, on va les célébrer. Ce sera la fête, ce sera surtout une autre victoire de la Renaissance sur la satrapie. Ce sera une autre victoire des combattants du changement contre le régime génocidaire de M. Biya. Donc voilà, j'étais ici pour vous présenter cette salle et je suis en train de partir. Je suis venue à Paris aussi pour ça, mais vous allez me voir ailleurs sous d'autres actions à Paris. Donc je suis encore à Paris et je vous tiendrai au courant de la suite des programmes. Restez connectés, scotchés sur la page Sandy Boston. Je sais que le combattant Rémi Ngono va prendre le relais dans quelques minutes. Donc je ne vais pas m'attarder. Je vous ai présenté la salle mythique. Et si vous voulez, avant que je ne parte, je vais vous imprégner justement de l'atmosphère qui règne ici en ce moment. Je vous ai montré les jardins et là je vais vous montrer les artistes locaux qui sont en train de performer en plein air, qui sont en train justement de faire vibrer cet endroit au rythme de l'Afrique. Et c'est un endroit qui déjà, lorsque vous y arrivez, vous ressentez quelque chose de très spécial. Lorsque vous êtes ici, vous ressentez quelque chose de très spécial. C'est l'une des salles. Regardez comment elle est belle. Regardez comment elle est belle. Elle sera prise d'assaut. Cette salle sera prise d'assaut. Nous allons prendre cette salle d'assaut le 18 septembre.
Eh oui, le tam-tam de la résistance, le tam-tam de la renaissance, le tam-tam de l'espoir vibrera ici le 18 septembre. Le tam-tam de Kamto, l'oncle Kamto, va chanter à tue-tête dans cette salle le 18 septembre. Écoutez la musique, admirez. Et donc, je suppose que voici comment ce sera disposé. Il y aura des rangées pour entrer, parce que j'imagine la foule très nombreuse qui va envahir cette place le 18 septembre. Vous avez plusieurs entrées sûrement. Il y en a d'un côté là, et les entrées seront indiquées en fonction de votre billet. Donc, salle mythique vraiment, salle historique. Le rêve de tout artiste, c'est de se produire dans cette salle, de la remplir, parce que c'est l'un des objectifs de tout artiste au cours de sa carrière, faire une grande salle et la remplir. Valsero part de la prison pour le Zénith. De Kondengi, Valsero est au Zénith. De Kondengi, Valsero vient au Zénith. De Kondengi, Valsero vient au Zénith. De Kondengi, regardez cette salle. Regardez-la. Ça, c'est le Mami Pi de la salle. Et pensez que nous serons dedans. On sera dedans. J'ai dit dedans, eh? Ouais, Ndambago Bi for inside. Ndambago Bi for inside. C'est là-bas dedans que le penalty sera tiré et marqué. Donc, je ne peux pas faire le tout. C'est énorme comme salle. Mais je vous montre déjà la substance, l'entrée, la billetterie, l'atmosphère qui règne tout autour. Et soyez beau, soyez belle, soyez dans les couleurs nationales, ayez votre drapeau, parce que le Cameroun s'installera au Zénith le 18 septembre 2021. Nous allons installer le Cameroun au Zénith. Avec le général Valsero, avec Longuet Longuet. Et donc, je vous montre à peu près, hein, c'est très relaxant, c'est une atmosphère festive, c'est une atmosphère entraînante. Lorsque vous êtes ici, vous avez envie de danser, vous avez envie de fêter. Je vais me rapprocher un tout petit peu de ces groupes qui sont sûrement de l'Afrique de l'Ouest. On peut reconnaître les sons, soit du Sénégal, soit du Mali. Et c'est très beau, c'est très entraînant. Voilà. Écoutez ça. Écoutez ça. Je vais me rapprocher un tout petit peu. Question de m'enquérir sur l'origine de ces musiques entraînantes et déchaînantes. Admirez la beauté. Admirez la beauté de la musique. Je vous laisse profiter. Écoutez cette musique. Savoir, j'ai jamais vu de trompette comme ça. C'est une trompette pas. Ah, ça, je pense que ces artistes méritent un petit encouragement, aussi petit qu'il soit. Nous allons quand même les encourager un petit peu.
Ben voilà, merci. Merci pour ces musiques entraînantes. Je vous en prie, monsieur. C'est quel pays? C'est quel pays? Superbe, superbe. Voilà. Il joue ici beaucoup avec Santana. Super. Il joue ici avec des grands. Donc, comme je disais, c'est l'Afrique de l'Ouest. Burkina Faso, Sénégal, Mali. C'est des frères qui sont dans des rythmes entraînants. C'est très beau. Algérie. Oh, super. C'est l'Afrique qui gagne. Cameroun. Cameroun, Cameroun, nous allons prendre d'assaut cette salle le 18 septembre aux couleurs du, et au son du Cameroun, le 18 septembre, Cameroun, we love you too, thank you very much, ah merci, merci, j'adore la festive, et c'est des gens qui adorent la fête, ça je peux vous dire, super, j'ai voyagé, et c'est des gens qui adorent faire la fête et s'amuser avec des bons repas. Le 18 septembre, le Cameroun prendra d'assaut la salle du Zénith et on va danser au rythme de musique camerounaise. Super, merci. Bonne journée à vous. Merci. Merci. Profitez de la musique. Merci. Donc voilà, je vous ai montré à peu près ce qui se passe ici. Des musiques, des rythmes entraînants. Oh, j'ai jeté mon truc là. Oh non, non, c'est bon. Des rythmes entraînants, des sons originaux d'Afrique qui vous mettent du baume au cœur, vous donnent de la joie. Et le 18 septembre, ce sera exactement pareil. Cette salle va vibrer au son et au rythme du Cameroun avec notre général Valsero. Donc voilà, je vous montre à peu près. Très bel endroit, hein? Très, très, très bel endroit, reposant, plein de divertissements où vous pouvez justement venir en famille, découvrir, vous relaxer avant le concert. On peut même organiser des barbecues géants ici, hein, en septembre peut-être pas, je ne sais pas comment le climat sera. Mais en tout cas, il faut que nous marquions cet endroit de notre présence. Que nous envahissions ces parcs, que nous soyons partout par notre présence, que nous marquions cet événement de couleurs, de sons et surtout de présence fourmilière des combattants de la diaspora partout. Bien sûr, on sait comment s'organiser. Nous sommes la meute. Nous sommes la meute. Donc, si le climat est bon, pourquoi pas? Pourquoi pas un barbecue, des barbecues géants? Pourquoi pas? Pourquoi pas commencer la fête hors de la salle et la terminer dans la salle? Pourquoi pas? Nous avons de l'imagination. Nous allons transformer cette journée en une journée très très spéciale pour chacun d'entre nous, mais surtout pour les artistes qui vont se produire et pour la résistance camerounaise. Pour le président élu, son excellence, le président Maurice Kamto, qui sera célébré à haute voix, tambour roulant dans la salle mythique du Zénith. Général Valsero, je profite ainsi pour dire que nous allons aussi célébrer tous nos prisonniers politiques. Nous allons célébrer et demander la libération de tous nos prisonniers politiques ce jour-là. Le professeur Alain Foguet, Olivier Bibou-Nissak. Nous allons demander la libération de Sébastien Ebala. Nous allons demander la libération des centaines de prisonniers politiques qui coupissent encore dans les geôles infestes de la soldatesque de M. Biya. Je passe un salut très très spécial au président Sissoukou Ayouk Tabé et je lui dis: Mr. President, keep strong, keep faith. We are still fighting and you shall be free. Merci, c'était Sandy et le devoir m'appelle sur d'autres terrains de la résistance ici à Paris même. Retrouvez-moi dans quelques heures sur ma page Sandy Boston officielle, votre page Sandy Boston officielle, notre page
pour d'autres événements dans la résistance. Merci, c'était Sandy. À bientôt, la patrie ou la mort. Nous vaincrons. La patrie ou la mort. Seule la victoire est possible. Merci.